Attention, attention, hein, on est. Ah non, c'est bon, je croyais que tu tirais bien. Il y en a un. Ah non. Ladies and gentlemen, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'Archivant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Momomomoduction saison 16. Je suis en compagnie de Gigic, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Jurax avec nous. Hello. Pégase. Salut. Et Koyou. J'en ai le oui, j'arrive. L'alcool. Les méfaits de l'alcool. À chaque semaine, moins de syllabes, plus de consonnes. Ça va bien, Caillou? Il est toujours très heureux d'être avec nous, évidemment. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Attends, il y a encore le bug? Il y a encore le bug ou pas? Ah non, c'est bon. Waouh, regarde! Elles sont belles! Merci Dilark pour les 10 subs! Ouais, et Delor qui donne 5 subs! Merci Delor! Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Merci. Donc, mon objectif est de trouver les bâtiments. Il y a deux bâtiments qui m'intéressent. Un bâtiment pour les crafters et un autre bâtiment pour les armes. Jurax en lévitation. Tant. Donc oui, la dernière fois, tu nous avais fait l'électricien. Ça, c'est bien, ça. Bien l'électricien. Et ici, on a l'Unginer qui nous donnait donc l'aluminium. Ça, c'était cool. Bon, ça, on les a pas encore trop évolués. Là, on a Fortune et Fi, et donc quand on, comme on l'avait vu, quand on le passait au niveau 2, il passait avec des enchantes niveau 2, niveau 3, enchantes niveau 3, etc, etc. Est-ce qu'il nous restait de l'argent? Parce que je voulais faire évoluer un peu les PNJ, parce qu'on pourrait peut-être avoir... ça s'appelle comment? Money. Les balles, elles, je suis sûr qu'on n'en aura jamais assez. Donc... 50 AE. Ah, le 50 AE, 5,56. Oh, on a des balles de 5,56. Alors les balles de 5,56, c'était pas la M4 qu'on va pouvoir utiliser. Eh tiens, il y a Clem, il est pas là, Clem. Narki. Je parle d'armes à feu, Clem est pas là. 5,56, on pourrait utiliser la M4. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Qui a-t-il? Je crois que c'est à toi, ça. Oh, mon sac de couchage. Ah, c'est trop mignon, merci. Parce que oui, on a deux M4 qui ne servent pas jusque-là. Et il est devenu Master Metal Press. Oh! Et du coup, maintenant, on a des 9x19 Parabellum et des .50 AE casing. On a les débloquer le moule, carrément, des balles. On sera pour plus tard, mais il faudra peut-être... Peg, il faudra peut-être qu'on fasse un gunsmith supplémentaire. Oh, putain, mais... souvent observé flottant à la surface. Wow, elle est trop bien, cette arme. La MP7. Et après, bah, il nous faut du Nézorak pour faire les briques. Et voilà. Formidable ça. Bon, j'ai les armes à bout. C'est bon. Medical kit suture. N'oubliez pas de prendre des bandages, des kits de suture, le craie, les coffres, les trucs. Et ensuite, ah oui, en termes d'armure. Alors, les armures. C'est vrai. Tiens, j'avoue. Oui, parce qu'il faut que je répare mon armure là. Faut que je les crafte ensemble. La prépa ouais, est longue. Ouais, mais en même temps, faut partir bien parce qu'après. Dormira sur la route. C'est juste qu'il faut arrêter de dormir avant de se préparer. D'abord tu te prépares, ensuite tu dors. C'est tout. Ouais, j'avoue. Mais j'ai oublié aussi. Ouais. Salut Santis. Hello. Sinon, au nord-est, qu'est-ce que vous voulez? Nord-est ou sud? Peut-être nord-est. Nord-est. Allez, go nord-est. Je choisis nord-est. Allez. Parce qu'il a fait froid là, donc c'est pour ça que j'ai pris le boiler. Je crois que je peux utiliser mon esquive, voilà, pour courir encore plus vite. Ah oui, bah il y a des croix. Ah bah c'est bien. Ah, oh, c'est bien les croix. Vive les croix. Hein. Heureusement qu'on a marqué les bâtiments. Parce que tu vois, je commence déjà à être en mode. Est-ce que par ici... Regardez! C'est ce bâtiment. Ce bâtiment avec l'antenne rouge, là. Voyez? Avec l'antenne rouge? Ouais. Ah, d'accord. L'antenne de redstone. Alors ça, c'est un des bâtiments qui m'intéresse. Alors attention, par contre, risque d'y avoir du monde là-dedans. Oh! Oh, il y a une M4. Incroyable! Mais il y a une M4 dedans. Police, helmet. Oh, c'est les trucs de la police. Ce bâtiment, j'étais en mode... Je le connais pas. Une grenade. T'as trouvé une grenade? Wow. Voilà, ouais. Bah là on peut trouver des armes. Il y a une moi j'ai une matraque, mais bon. Ouais, mais ah, police officer 7. Ah, c'est un 7. Attends. Il y a un spawner en dessous. C'est bon, je l'ai pété. Alors. Ça monte, ça descend. On commence par en bas. On commence par en bas. Oh, il y a du fer. Oh, le fer. Oui, il y a des. Oh, il y a un PNJ en vie. Oh là. Ah, je suis en train de miner. Oh, regarde! Gunpowder sac, ça il nous les faut.
Oh, il y a des émeraudes. Oh, Caillou, il est heureux. Regarde le dalleux. Il est arrivé. Il a mangé tous les émeraudes. Oh, des grenades. Putain, je me fais chier à prendre un PNJ alors qu'il y a des... Police Lenging. Ouais, bah, je vais peut-être prendre les affaires du policier quand même. Oh, la grenade. Ok, bah, j'ai trouvé une M4. Royal Canada 7. Ok. Ah, c'est pas le même. Et ça, faut le prendre. Comment ça se pète avec quoi, ça? Avec une houe. Ah, merde. Bon, bah, je vais péter avec une boîte de craie, alors. Oh, les trucs à houe, ça se mine à la main. Parce que ça, on est d'accord, si tu le craftes, ça te fait 9 gunpowder. Ah oui, donc il faut les prendre. La gunpowder, très important pour les trucs explosifs. Et on peut l'embarquer, là, le villageois, au pire? Ouais, shift-click droit, pouf, voilà. Hop, dans mon backpack. J'adore, à chaque fois, tu le prends. Tu vois, le mec, il a rien demandé. Hop, dans mon sac. Il y avait pas de zombies, là, c'est tranquille. J'ai pas pris de torche avec moi, tiens, tu vois, j'ai oublié un truc. J'en ai pris. Attends, je vais péter la deuxième porte. Hop, voilà. Il en reste un. Oula. Va falloir que je trouve la touche pour passer en semi-auto parce que je consomme beaucoup trop de balles. Oh! PTSI 45, oh, c'est un autre flingue ça, je connais pas. L4A1, la vache. Oh, j'ai un bâton électrique, une matraque électrique. Oui. Ouais. Partie du pack officier. Ouais, pack officier aussi. Merde, je recharge. Quoi? Oh, pourquoi il y a un trou? Je viens de dire, vous ferez gaffe. Ouais, mais trop tard, le temps que tu fasses l'explication. Pourquoi il y a un trou? C'est moi qui ai creusé depuis en bas. Pourquoi faire? Pour pouvoir les attaquer. J'ai fait tomber un zombie. Oh. Tactical mass. Oula. Mass tactique, 9 de dégâts. Ok, bien. Attention. Ok, lui, il est invincible. Oh, beau tir. Il est tombé. Bon, ça, c'est le genre de bâtiment. C'est le plus important parce que c'est là où il y a des armes, en fait. Comment on voit s'il y a des... Pas de spawner ici? Je vois pas. Pas de spawner. Ah si, ah, si. J'en si. Ai eu un. Ça s'appelle le pouvoir du lag. Quoi? Bah rien, j'ai perdu la connexion. Ah! Donc c'est pour ça le zombie il est arrivé sur moi, il m'a dit bah bisous. Je suis sur le toit. Y'a quoi sur le toit? C'est quoi ça? Smooth basalt. Bon, je peux pas en tirer quelque chose. Y'a un coffre sur le toit. Alors, un petit couteau, gunpowder sac bien, grenade, forest guard. Ranged damage. D'accord, tu fais des dégâts d'armes à distance. Et alors, pour le policier, ça fait quoi? Mêlée dommage plus 10% et 150% quand t'as le full set. Ah, quand t'as un set partiel, c'est 10% quand même. Le set policier, pas mal. Après, j'ai un couteau papillon, mais ça, c'est pas... On prend pas. J'ai une porte. Est-ce qu'on récupère tous les barbelés? Oui, on les prend tant qu'à faire, hein, parce que flemme de les crafter, hein, si on peut les avoir. Et puis tu sais, si jamais il y a des mobs qui nous attaquent là cette nuit, tu sais, à chaque fois je me suis dit, putain, on prend jamais de barbelés avec nous. Mais là, alors l'air duct, je sais pas si c'est purement décoratif ou pas. Ça se fait avec du style, d'accord, mais tu peux pas les décrafter ou en faire quelque chose, donc ouais, non, c'est purement décoratif, d'accord. Et tout. Ouais, bien, hein, bien. Bon déjà, voilà, c'est ce bâtiment, faut le retenir. Voilà, la banque, c'est les serpentins. Le truc informatique, alors, il est un peu chelou, le truc des serpentins. Tu peux mettre les proies dessus? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, j'ai les torches. J'ai pris de la craie visible, là, maintenant, parce que... Oui, il y en a de toutes les couleurs, mais bon, au moins... Wouah, ils arrivent en courant. Wouah. Ah oui, c'est les trucs de l'armée. Je te laisse les finir. Ok. Ce bâtiment là, est-ce qu'on l'a... Non. Oh, qu'est-ce qui m'attaque? Oh putain, il y en a d'autres. Merde. Vous êtes où? Je suis revenu un petit peu en arrière. Ah, je suis rentré dans le bâtiment. Lequel? Ah, la station service, c'est que de la bouffe, donc pour l'instant, on évite. Moi, j'étais intéressé par le bâtiment là. Ah putain, mais les trucs de l'armée à chaque fois ils sont trop puissants eux. Ici là. Ah non, il y a des croix. Hop, bon, je mets une croix. Ok. Donc ça a déjà été fini ici.
Ah, le quartier. Non, on avait peut-être fait le quartier sud-est, mais pas au-dessus. Ça peut être intéressant pour nous. Vu qu'il va faire nuit, il faut qu'on se dépêche. Est-ce que j'ai des blocs? Vous avez des blocs? Gardez des blocs avec vous là si on est dans une situation. Non, j'oublie, j'ai pas d'en prendre. Là, il y a une banque. On l'avait braqué la banque ou pas? Sinon, go la banque. On y va, go. Non, on l'a pas vidé. Il y a des spawners. J'arrive pas à rentrer alors. Oui, faut te sneak. Sneak. Ah, okay. Et si vous avez des blocs refermés, Caillou, c'est toi qui as les blocs. Referme. Ouah. Oh la vache. C'est bon? Pour l'argent. Allez. Braquez-moi cette banque. Attends, il me faut qu'un seul charbon, je pense. Voilà. Est-ce que ça chauffe, là? Voilà, ça descend. La chaleur. Tiens, je l'emmène avec nous. Allez, hop. Comme ça, si on refroidit, je le repose, et normalement, le charbon est resté dedans. On fait des économies. Le mec part avec son four, tu sais. C'est quoi? C'est la survie post-apocalyptique. Le mec Patrick, c'est pas ODF. Tu fais quoi, là? Je suis parti avec mon four Samsung. Non, parce que sinon, il nous faut une régularisation. Bon. On va bientôt arriver au 100e jour, ça veut dire que le jeu va devenir de plus en plus chaud. Mais ouais, il nous faut en fait le Mechanical Crafter. Donc tu peux regarder les composants qu'on peut faire pour un potentiel Mechanical Crafter, même si je vais essayer de le looter dans des maisons. Mais le problème, c'est que je ne sais pas encore quelles sont les maisons. Ne me spoilez pas, évidemment, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il faut qu'on trouve la baraque qui peut avoir ça. Merde, on a rencontré un building qui a créé une horde. Attention. Pour le cancer colorectal, le test fécal, c'est radical. C'est la base. Alors allez, tous faire caca dans le pot. Ouais, tu me dis d'aller chier. D'accord, ok, non, c'est sympa. Oh, y'a un lapin. Par contre, la vache, les FPS que t'as perdu, Dark. Bah là, là, on s'est pris une horde, donc ouais. Ah oui, t'es passé de 107 à 70, quoi. 55. Ouais, quand y'a du monde, c'est normal. Vous êtes où? En train de me taper avec la horde. Ouais, de ouf. Pareil, mais mon perso est un peu blessé. De quoi, le live qui a bugué pour toi, qui l'a revu? Parce que moi aussi, il a bugué pour moi. Attention, attention, hein, on est... Hein. Ah non, c'est bon, okay, je crois que tu tiens la merde. Ah! Non! Putain, le verre brisé qui va niquer, là. J'avais pas ma batte, parce qu'en vrai, ça aurait été plus simple de me battre avec ma... Avec ma batte. Alors c'est la horde qui était là, et ce bâtiment, eh ben on le connaît pas. Eh ben go à l'intérieur là. Ah putain, attends, je suis blessé, je peux plus miner. Hop. Je me soigne. Ok. C'est bon, je suis soigné. Go. Si vous avez un bloc derrière. Oh mais j'ai été infecté, bah oui, évidemment. Est-ce que j'ai une pomme en or avec moi aussi. Ouais, c'est bon. T'en as une pour moi ou... J'en ai une pour toi. Ah. T'es où? Tiens. Là. Merci. Alors, je connais pas ce bâtiment. Go. Et peut-être, c'est peut-être un hôpital. Quoi? Médical et inventory. Ah, fuck. Oh, c'est du médical. Oui, on est trouvé dans un bâtiment médical. Un petit blood bag. Wow. Blood bag, utilisé pour prendre votre sang. Ah ouais? Regarde-moi ça. Dans le coffre au-dessus. Ah, du coup, là, je dis qu'on a besoin de toi, hein, c'est médical. Ah, il est pomme d'or. Ah oui, 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 les trucs médicaux. Ah, trop bien. Attends, j'arrive. Je vous fais la piqûre à tous. Je prélève. Je vous fais la piqûre. Bonjour, c'est la piqûre. C'est des bureaux. Et salut. Ouais, salut Clem. Hello. T'es prêt pour la guerre? Ouais, prêt pour tirer sur partout. Medical kit. Oh là là, mais il y a trop de trucs ici. C'est trop bien. Ah oui, mais la laine, je suis con. Je voulais pas la prendre, mais si, prenez la laine aussi. Oh, la laine. Eh oui, oui, oui. Non, mais tu sais, le temps que je me remette dans la logique du... Oh, les bâtiments médicaux. C'est pour ça, parce que souvent, les bâtiments importants sont protégés par des hordes, comme on s'en prend, en fait. Parce que, tu sais, je disais, ouais, dans certains trucs, il n'y a pas de hordes. Mais en fait, c'est parce que c'est les bâtiments d'importance qui sont un peu plus gérés. Ah ouais, c'est dangereux, ici. C'est full ouvert, en fait. D'accord. Oula. C'est peut-être pas... C'est le moment de notre affrontement, peut-être. Tu sais, quand on a tiré partout. Oui. Possible que... Possible que ça ait dérapé, quoi. Ouais, est-ce que j'ai encore des blocs? Il est où, mon bureau? Ah, il est là, Gigi, qu'on a trouvé, là. Ah, attention,
Ah non, mais non, moi il me faut un ordi, hein. Quand même, faut pas déconner. Blues. Ah oui, il y a des passions. Trop bien. Bon, on va en bas d'abord. La blouse bleue, c'était plutôt un infirmier. Ouah, wow, attends, l'hôpital, c'est une prison en bas. Oh, y a du monde. Ah, mais c'est. Tous transformés en zombies. Attention. J'ai ouvert les vannes. Allez, let's go. C'est parti pour passer dans ton mixeur. Aïe. Ça reste bien à droite, Caillou. Comme ça, moi, je peux mettre mes coups à gauche. C'est la ville de Phasmo, cet endroit. Wow. Il y en a encore, il y en a encore. On y va. On fait une percée. Oh, regarde, c'est grave l'asile de Phasmo. Et puis lui, il fouille les coffres alors qu'il a des zombies derrière lui. Non, mais c'est pas de problème. Oui, il y en avait plus quand je suis rentré, c'est pour ça. Ah, c'est qu'ils arrivent de la gauche. Ah, t'es passé pour le moment où je tapais. Alors, ça pop ici, donc il y a des. Ouais, il y a des spawners. Ouais, moi, je veux qu'on récupère la tenue de. La tenue de l'ambulancier. Enfin, pas de l'ambulancier, mais du malade, là. Il y a carrément du sang ici. Ouais. Je veux être en bleu, moi. Wouah! Ah, c'est la morgue. Ah, oui, c'est la morgue. Oh, on peut fouiller les corps! Il continue de popper dans la morgue, hein. Il y a peut-être un spawner quelque part. Il y en a trois, j'en ai pas. Oh, il y a un coffre! Regarde, oh, pomme en or! Oh là là! Oh, dans les corps. On peut fouiller les corps, c'est macabre. C'est quoi ça? Corpse. Oh, le bruit! Ah, tu petite envie pressante. Le bruit ASMR là. Ça chatouille les oreilles. Hein? Il y a un truc derrière la bibliothèque. Oh! Trouvez quoi? Un escalier. Wow! Bien joué. Oh! Des verrues du Nether! Oh la vache! Oh les pommes en or! Oh la dinguerie! Ouais, prenez tout! C'est le film Je suis une légende là, il fait ses expériences dans un cas. Ah, y a du cactus ici. Oh, une rose du Wither, on va récupérer ça aussi. En même temps, le monde entier est un cactus. Hein. Ah ouais? Du coup, à l'Alambic, on en récupère un. Si jamais on a besoin. De quoi? À l'Alambic, j'en ai récupéré un au cas où. Je crois qu'on en a, j'en ai déjà récupéré plein. Par contre, je récupère la Soul Sand. Qui m'a enfermé? Tu t'es enfermé toute seule. Quand t'appuies sur le bouton. On avait du cactus ou pas? Je le prends. Le bouton est temporaire. Je le prends, on sait jamais. Ah, d'accord. Il y a une machine à l'intérieur. Il y a quoi? Attends, je peux voir. Je sais pas ce que c'est. Je trouve c'est rien. Contrôle de machine, crate. Oh ah, c'est un ascenseur. Ah oui, ils ont fait en sorte qu'il y ait le redstone contact. Eh non, on l'a pas fait, il y a un coffre ici. Hop là, suture kit. Ouais. Oh, regarde, t'as vu, c'est une chambre à. C'est le scanner, mais non, ouais. C'est le scanner. Ah, c'est oui, un scanner. Les mecs qui se posent sur des rails, tu sais. Le truc hyper à l'aise. IRM, c'est l'IRM, mais sur des rails, quoi. C'est le truc où faut pas de personne. Non, c'est que tu mets le lit dessus et après, ça l'emmène. Ah. Oh, ouais, Jirax, t'es vu, PTDR. Oh. C'est faux, t'as rien vu. Ouais, y a du monde qui se masse ici. Attends, je vais mettre un petit barbelé là. Regarde, regarde, regarde. Ah. Venez là. Typhon là. Venez ici. Voilà. Bon, on va monter à l'étage. T'es où, Caillou? Bah, à l'étage. Déjà? Pas le temps de faire du tourisme ici. Allez. Ah, de la thune. Bien. Tiens, rejoins la partie. Un face masque. Ouais, on a des masques. Des chambres d'hôpital. Un peu ensanglantées. Des masques Covid? Ouais, des masques Covid aussi, ouais. Il y a même des patients là. SH, là pour faire le ménage. C'est bien, il y avait de la monnaie. Eh, hey, dis donc, on joue aux toilettes. Pardon, excusez-moi, monsieur. Putain, je chie là. Oh, spawner. C'est bon. Bonjour. Frigo, il y a de la bouffe ici. J'arrive même plus à voir. J'ai laissé un petit barbelé dehors là, ils sont en train de s'empaler dessus. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est l'ascenseur, donc on comprend pas. Mais de toute façon, on va crafter le truc aérien, mais il nous faut les mechanical crafters. Tout se fait avec les mechanical crafters. L'alternateur pour transformer ça,
Mais tu sais que on va avoir l'hélicoptère, hein, l'avion, tout ça. Bien, ok, donc les hôpitaux ressemblent à ça. Enfin, en tout cas, c'est peut-être il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui-ci, on retient la forme. Il y a un H rouge dessus, donc sur le radar, normalement. Voilà, tu peux pas le rater. Et je note que en H rouge ici, eh ben c'est tout.